Elle est depuis quelques semaines la star des journaux. En Moselle, la chenille processionnaire du chêne devient l'ennemi public numéro 1. Si la menace est bien réelle, il se pourrait cependant qu'elle soit accusée à tort à la moindre démangeaison. À Thionville, le phénomène cette année est particulièrement important. La cause, ces nombreuses zones forestières composées principalement de chênes, sans parler bien évidemment du réchauffement climatique, les hivers rudes permettant habituellement de réduire massivement les œufs de ces chenilles. C'est un phénomène qui se déroule quand on a des sécheresses comme on a pu en avoir, avec un phénomène humide qui a permis donc à la chenille processionnaire de se développer de façon extrêmement importante. Identifiable par ses longs filaments blancs, c'est en réalité leurs poils microscopiques taillés comme des harpons et pouvant voler sur plusieurs kilomètres les véritables coupables. Ils contiennent une protéine toxique susceptible de déclencher des irritations de la peau et des muqueuses, mais aussi parfois des réactions allergiques. Au départ, je prenais ça un peu pour une idée un petit peu obsessionnelle, mais en fait, il y a une réalité, il y a des démangeaisons, moi, je les subis aussi. C'est très très gênant. Et en plus, vraiment, ça démange énormément. Mais on ne connaissait pas ça avant. Alors, comme je dis, on voit bien que la terre, il y a quelque chose qui ne va plus. Pour y remédier, pas de solution miracle, mais des habitudes à prendre. Ne pas s'approcher des nids se lava de soie, couvrir un maximum sa peau et éviter de trop aérer son habitation. Si le phénomène touche presque à sa fin cette année, dans les pharmacies, on a connu quelques ruptures de stock passagères. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour vous dire on a vendu autant de produits en quelques jours qu'on peut en vendre en 6 mois sur ces types de problèmes. Les chenilles, nouveau fléau du 21e siècle, sont cependant bien vulnérables, car elles sont des proies parfaites pour la mésange. En moyenne, elle peut en consommer près de 500 par jour en période hivernale. L'anticipation est donc de vigueur, car l'été venu, il est trop tard. Il faut alors recourir à d'autres options. Sur celui-ci, on voit qu'il y a une présence de chenilles. Il y a un petit nid ici. Et derrière encore aussi, là-bas. Frédéric a ces dernières semaines sillonné la Lorraine. Cette fois, il intervient dans un centre équestre à Voipy. Toute la matinée, il traitera chaque chêne, les uns après les autres. Je me mets à côté de l'arbre et j'allume la machine. Je pulvérise du produit insecticide biologique, le bacille de Turin, sur l'arbre. La chenille mange la feuille, elle meurt. Si la chenille processionnaire du chêne a sa part de responsabilité, dans la vague de démangeaisons des dernières semaines, il se pourrait bien qu'elle ne soit pas la seule fautive. La rumeur court que l'autre suspect aurait des allures de moucheron piqueur.